Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfon pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Alors je suis déjà dans les airs. J'ai toujours le même équipage, vous noterez que personne n'est mort pour l'instant. Je lance en fait cette capture parce que je viens de m'apercevoir et j'avais pas fait gaffe qu'il y a l'as en fait, il y a Francesca je sais pas qui. Francesca beaucoup trop de niveau, qui est dans le coin, qui est dans le pays. Et ça va être douloureux, ça va être très douloureux. Je le sens bien comme ça. Je voudrais d'ailleurs peut-être prendre de la hauteur. Ouais, mais j'ai pas de tireur. Devant aussi, tu peux prendre un peu de concentration. Ça prend un super tir croisé là. Là, ça leur donne beaucoup moins de chances de rester en vie. Et toi, Billy, au fond, si tu penses une concentration. On est déjà sur l'objo. Finlay, s'il te plaît. En position. Charge une bombe. Ouvre les portes. On desserre la vision. Et on patiente. On patiente pas. On met un coup de boost. On met un coup de boost. Du coup de boost qui va bien. Il y a déjà plein de gens qui arrivent, on ferme les portes, on vient ici, on demande un marquage auto et c'est parti. Et là c'est arrivé. Hélas, il est arrivé. Ok. Prêt pour la photo? Souriez, messieurs, vous êtes filmés. D'une certaine manière, vous êtes photographiés quoi. Ok, très bien, on retourne au camp Wuchang. Une balle les Nubos. Recharge, recharge, il reste plus rien. Finlay. Finlay, tu retournes ici. Voilà, superbe. Voilà mon gros. Voilà, c'est ça, éclatez-vous. C'est ça, éclatez-vous et éclatez-les surtout, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir les gars. Je n'ai pas. Hein. Surtout, gavez-vous. Il y a surtout un qui tire. Je sais pas c'est quoi leur angle d'attaque, mais ils ont un angle d'attaque effrayant quoi. Ok, il y en a trois là qui arrivent là, trois beaux bébés. Ouais, plus que ça là. Où les autres? Ok, là-bas. Ah, c'est l'as là-bas. Jusqu'à Fesklung. Il est repéré sur le radar, oui, en effet, c'est vrai. Bon, allez, l'irrité de la panique. Tiens, on va aller se faire foutre là. Ouais, vite ça, là, vite, tes buts. Vite. Hop, va chercher les munitions. Pendant qu'il a fait ça, pareil, fait, va aller chercher des buts, les mecs. On est sur un système de batteuse où il faut aller chercher les munitions soi-même. C'est plus archaïque, hein. Mais par contre, elle DPS fort. Hein. C'est archaïque, mais ça DPS. Attention. On va se mettre un petit peu d'économie de carburant. On va essayer de les ouvrir. On va essayer de les ouvrir tranquillement en deux. Allez, tombe. Allez, tombe. Non, mais faites pas genre, il tombe. Massacrez-le, wesh. Mais wesh. Wesh. Merci. Non. Ah, mais tue-le. Mais vraiment. Mais vraiment, c'est votre pote ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, t'as besoin d'une destination. Oui. Va par là. Va chercher bonheur par là-bas. Vas-y. J'ai personne. Mais vous allez le tuer ou faut que j'y aille moi-même? Lance-pierre. Ah bah voilà, je préfère. Bon bah on a encore esquivé, en fait si on va trop vite on arrive à esquiver les as. Donc voilà, petite technique. C'est vrai que l'as a tué là m'aurait fait le plus grand bien, parce que je crois qu'il est à 10 000 livres cet as là. Mais bon, je m'en passe très bien aussi quoi. Je me cache pas que sans lui je vais bien aussi. Ouais, pousse un peu la machine. On est bon, on sort le train d'atterrissage, on est bien là, regarde, on l'a déjà sorti là, ça bouffe tout le carburant, regarde, on jette le gasoil par les fenêtres, ah oui. Ça pollue pas de toute façon le gasoil, c'est toi qui le dit, t'es gâté. Volkswagen aussi dit ça pollue pas, regarde en gaz dessin, on pollue pas. Ils sont partis pour un monde meilleur, en fait ça rend heureux le gasoil, c'est ça le truc. Et oui, c'est pas du gasoil, c'est du kérosène, et alors? Ok, bah très bien. Résultat de mission.
Sortez-moi un petit chèque quand même. Petit chèque pour la reconnaissance. En fait, maintenant c'est surtout la reconnaissance facultative qui paye en fait. Il n'y a plus rien de ce qui paye. Bon, on prend un peu de points, un peu de thunes, un peu de niveau. Pff, que dalle. Mission ninja. On aurait dû l'appeler ninja. Moteur léger MK3 pour l'avion. Ah, la tour et la bande. La tour et la bande. Certains diraient que ça fait bander. Lol. Donc là, oui, on va te parler de personnages qui sont montés en niveau et que maintenant ils ont droit à des trucs, non? Ah non, c'est un pré-régage complet. Nouveau setup. Kit de blindage lourd. Kit de blindage lourd. Ah bon? Comme ça? Ah bon? Ici, toi. Kit de blindage lourd. Ouais, ça me parle. Hein. Ah non, ça lui fait perdre de l'armure. Ah voilà, c'est nul. En fait, c'est complètement nul. Voilà, c'est nul. C'est genre méga nul. Genre méga nul. Par contre, ça veut dire qu'il y a un nouveau gilet là. Ah, ça. Il y a un gilet de Marines. Il y a un gilet de Marines. De Space Marines. Ok, très bien. Très bien. Dans l'avion. À l'avion, on a vu une tourelle à bande. Hein. Ça nous intéresse énormément. Surtout en queue. Paf. Ah, je vais installer. Ah, oh, merci. Hein, je vais tellement mieux. Ventrale, dorsale, frontale. Est-ce qu'on peut remplacer aussi la frontale? Je sais qu'elle tire pas souvent. Mais lui faire traverser tout le bousin pour reprendre des munitions, ça me fait un peu mal quelque part. Voilà. On va garder donc une ventrale assez minable, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. On a une ventrale assez minable. 2000 balles, on peut payer. Oh, si on peut payer, alors. Alors là, ma gueule, si on peut payer, ma gueule. On perd beaucoup de blindage, mais ouais. Non, ça m'intéresse pas. À la limite, si je passais genre en moteur léger MK3 sur celui-là, ça m'irait, mais. Non. Non. Matériel, on est bon partout, je crois. Ouais, on a tous les râteliers d'équipés. Fuselage, on va rien pouvoir payer. Survie, est-ce qu'on peut se payer un pigeon? Oh là là. Est-ce qu'on peut se payer un soldat pigeon? On peut juste se payer le pigeon. Hein? On va l'installer. Ah, le pigeon est trop cher. On peut même pas se payer un pigeon. L'arnaque. L'arnaque, le pigeon il coûte trop de pognon. Il prend trop de thunes. Le salaud. Ah, les extincteurs. C'est con comme truc. Hein. Ça peut servir. Bon bah écoutez, je vous ai arnaqué un avion de chasse. Hein. Pilote de chasse ennemi dans la zone. Bon, on va peut-être se le sortir ce coup-ci. En plus, cette fois-ci, j'ai des bandes de munitions à volonté. Je vous l'offre, allez. Cette fois-ci, je fais pas de speedrun. L'objectif, on essaie de sortir l'as. Je le sens bien. Je le sens bien. Si je le sens pas, on le regrettera. Si je le sens pas, en fait, si ça se passe mal, c'est probablement la fin du let's play. Ok. On dit qu'on fait ça. Décoller. À fond. On voit tout ce que t'as dit. Parfait. Économiser, on n'est pas pressé. Ah non, mais il y a encore un truc qui va péter là. Mais Murray, tu vas aller bosser, oui? Ou tu fais encore le mur? Cette haine primaire contre les mécanos, c'est incroyable. Hein. C'est quand même magique. Eux qui font tout le taf, tout le temps. Oh. Ils sont là. Paf, je voudrais que tu fasses un tir croisé en concentration, s'il vous plaît. Le nettoyage. Parfait, merci. C'était bien. Ils nous ont pas embêtés trop longtemps. C'était cool. Finlay, s'il te plaît. Et Finbull de Finlay. C'est ça, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Radioman. Radio de reconnaissance, s'il te plaît. On arrivera de l'objectif, je pense qu'il y a moyen de gratter un truc. Ok, on reste concentré. On ne se disperse pas. Ah, t'as plus de concentration évidemment. Il est prêt à larguer. Et le petit cadeau de la maison. Ça me fait plaisir. Ah, ça y est, on a trouvé un pilote. Intéressant, fermez les portes. Tu restes à ta place temporairement. Alors, où est Der Pilote?
Air pilote, il est là. Est-ce qu'on peut avoir voilà, les mecs à l'arrière qui avoinent là? Tu vas pas me refaire le coup de te placer dessous là? Eh bien si, on fait le coup. Viens ici toi. Hop. Et du coup, bah, moi je vais te faire le coup de chevrille. Attends, déjà chevrille. Ensuite, on passera à un niveau moyen. Oh. Ah oui, du coup, tu te lèves pour prendre ta photo. Bon courage. Hein. Alors, attention, tentative de prise de photo. Attention, on y croit. Ah bah non, j'y crois pas. Ah, on l'a eu. Alors, ça non plus, j'y crois pas. Ça, voilà, ça c'est plus fort que je vous couche en ça. Ah oui, du coup. Eh, hey, Lombard, reviens là-haut. Reviens là-haut. Faut qu'on fasse demi-tour avec le cousin, gars. Les gars, alignez du canon un peu, hein. Ça serait sympa. Anderson, tu vas avoir des gens dans ta ligne 2. Ok, j'aimerais que tu les répulses un peu le temps que, voilà, le temps qu'on se prenne une petite photo. Ah, une petite photo, pour ça il faut que tu fasses une petite plongée, mon gars, hein, si on veut prendre cette photo. Hein. Si on veut y arriver, faut descendre. Oh la sauce! La sauce que vous leur mettez! Comme ça. Il y a beaucoup, hein. Franchement, ici à la rédac, hashtag on a pour. Hein. Hein? Ah, mais merde! Mais je suis encore bourré de pognon. Vous avez dû me détester pendant 8 jours là. Marquage auto, reconnaissance radio, s'il vous plaît. On retourne sur objectif. Allez les petits gars, on reste vif, hein. on reste vif. Ok, une petite concentration sur l'arrière, tac. Ok, on reste souple sur les parts arrière, hein. Pas de problème. On va prendre la photo au bon bouton ce coup-ci. Ok, la photo elle est prise. Ok, elle vient ici. Pilote, bel étage moyen. Toi tu nous mets un petit coup de peps sur la gueule. Hop. Ça pousse tonton, on est au-dessus des nuages, c'est parti. Allez, je vous offre une vrille, peut-être. Une petite vrille, vraiment. Si je vous offre une vrille, c'est vraiment parce que c'est moi qui offre. Finlay, Choupette, t'es où? Choupette, fais ton taf. Bravo, Choupette. Oh, on a... Non. Et la batterie... Ah, la batterie ventrale. Allez, faut me sortir ça. Faut me sortir ces mecs. Sortez-les, là. J'ai rien à foutre ici. Vas-y, arrose-les, arrose-les en défense. Ah, mec. Je viens de jeter une demi-tonne de munitions par les fenêtres là. Regarde le coup qui tire en défensive. Le mec a vidé toutes les balles de la cabane. Incroyable. Si je te demande de recharger. Ah, il va chercher des munitions à pied? Non. Moi je pensais juste que t'allais recharger ton truc vite fait quoi. Finlay, tu veux pas aller te soigner? Voilà, s'il te plaît. Petite bulle. Toujours donner des noms très mignons à ceux qui sèment la mort et la destruction de son prochain. Ok, je veux bien que tu retournes à ton poste à la limite. Hein. On a plus besoin de toi. Lombard. Asile Lombard. Ok, bon, on est pas mal. Allez, tous, mets un coup de peps là-dedans. On s'en fout. On a plus de carousel, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut encore planer. Waouh, on a quand même bien éventré la carcasse. Hein. Ah ouais, heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps. Hein. On aurait commencé à massacrer mon équipage. Comme quoi, on n'est jamais très loin. Hein. Allez. À toi de prendre une petite pause. Très bien. Bon, bah on arrive en territoire. Hein. Voilà, vieux, t'as plus qu'à redescendre. Descends en bas tranquillement. Voilà, c'est ça. Vas-y, descends. Ouais, vas-y, regarde, c'est là. Allez, c'est tout droit. Allez. Allez, un petit coup de pouce là. Allez, on tape là-dedans, là. Allez, sans le train d'atterrissage. Et là, c'est de gasoil, là. On tient une minute ou deux. Voilà, c'est parfait. Parfait, regarde, ça tient tout ça. Ouais, passe là. Tiens, on va même te soigner. On a rien d'autre à faire. Voilà, la victoire pour Canard. Là, ça va chiffrer. Là, ça va chiffrer. Là, on va acheter des moteurs. Allez. Ouh, c'est fait. Résultat de la mission. Paf. On vient de prendre 12 000. Oh là 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 là. On
on l'a nettoyé. Est-ce qu'on prend un peu d'XP de level tout ça hein. Par contre les docks ils veulent pas passer. Ils veulent pas passer de niveau. Ils ont pas pris assez de dégâts. Quelque part c'est pas plus mal. On va pas se plaindre. Se pencher tout ça. Ok. Ok, les catoniers sont pas trop mal. Ok ok. Bon on est pas mal. On est pas mal du tout. Appel des Spitfire, ça c'est bien. On va pouvoir appeler un peu d'assist au cas où. C'est quand même cool. Trois membres d'équipage sauvés. Eh oui c'est beau. Eh oui c'est beau. Entraînement, il n'y a pas besoin, on saute directement à l'avion. On veut du moteur. On veut du moteur. On veut du vrai moteur, là. Du MK5 là-dessus, là. Claque-moi du MK5. Installe-moi ça. Voilà, très bien. Les tourelles, tac, tac, tac. La ventrale est nulle. La ventrale est nulle. Donc on va passer sur une ventrale décente. Je pense. L'installation de missiles. Franchement, je sais pas si ça marche vraiment. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Système hydraulique, non. Radar, radar, ça serait carrément cool. Allez, radar 4. Allez, l'hydraulique à 3. Ah, l'hydraulique, il n'y en a plus de thunes, c'est fini. On pourra pas se payer le pigeon, je voulais me payer le pigeon. Eh ben, c'est mort. On s'est fait pigeonner sur ce coup-là. Bon, moi, je vais me faire une mission facile derrière, juste pour ramasser de la thune encore très facilement. Juste la thune, on raquette, on ratisse les fonds. C'est ce qui nous intéresse. Ah, surtout qu'il y a un chasseur as ennemi. Dans le prochain là. Genre là. Là il y a un... T'es sûr? Ah bah oui, il y a Kaspar que j'ai pas eu. À 10 000 balles que j'ai esquivé. Enfin que ça fait deux fois que je l'esquive hein, Kaspar. C'est quand même beau. À un moment donné je pense qu'on lui fera la peau. Mais c'est pas garanti. Bah sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.